Et salut les gars, ça va ou quoi? Mon studio, il est presque fini. Vous êtes content ou pas? Est-ce que vous trouvez ça cool? Dites-moi un petit peu en commentaire. Ok, bonjour, bonsoir les petits frérots, j'espère que vous allez bien. Je vous dévoile mon décor. Voilà, je vous avoue qu'il y a des trucs à rajouter. Je voulais pas vous faire patienter plus que ça. Les gars, avant de commencer, j'ai une info super importante à vous dire. Nous sommes mercredi 12 août et vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16. On fait un pop-up store, les gars, où je serai là les 3 jours. Vous connaissez ma marque de vêtements, l'équipage qui s'affiche juste là. Et où ça, tu vas me dire? On fait un pop-up store à Mons. Non mais c'est où Mons? Mons, c'est en Belgique, les frérots, c'est dans ma ville. Toutes les infos sont dans la description de toute façon. Si vous êtes disponible vendredi, samedi et ou dimanche, ou les 3 jours, venez faire un tour. J'espère qu'on sera nombreux. Il y aura des exclus, l'équipage, donc des nouvelles pièces. Il y aura aussi 2 tatoueurs, les amis. Et surtout, il y aura de la bonne ambiance. Désolé de vous avoir prévenu aussi tard, là, on est mercredi. Mais j'espère que vous serez nombreux. Je compte sur vous, les frérots. Je compte vraiment sur vous. Les gars, je vais pas vous faire patienter plus. Toutes les infos sont dans la description, de toute façon. Et vous l'avez vu dans le titre, on va faire une vidéo réaction Reddit. Ça faisait un petit moment, ça faisait 2-3 vidéos qu'on n'avait pas fait ça. Et c'est parti, on va regarder des gens, ils se font mal et on va dire putain mais il est con. Allez c'est parti, on va être sur Watch People Die Inside qui veut dire... Eh maintenant j'ai plus besoin de traduire, je vous jure que j'ai plus besoin de traduire. Eh ça veut dire que les gens, on va regarder des gens qui meurent de l'intérieur. Genre il se dit mais attends, pourquoi il s'est passé ça? Je ne comprends pas ma vie. Pourquoi il s'est passé cela? Non mais what the fuck les amis. Top Gear présente Richard Hammond Die Inside as Turkey Border Guard, don't, et j'ai rien compris. Traduction. Et maintenant j'ai plus besoin de traduire, je vous jure que j'ai plus besoin de traduire. Meurt à l'intérieur alors que les gardes pensionnaires turcs ne trouvent pas son briquet en forme de balle. J'ai rien compris. Allez, on va quand même regarder ça. What is this? Yeah, that's, I can explain that it's a lighter. Lighter? Yeah. Sorry. Sure? Yeah, can I show, see? If you do that, and then it doesn't work. Yeah. It's You're a funny yeah. man. Okay. Yeah, sorry. Je suis mort frère. Déjà personne a un briquet en forme de balle. Attends le mec est un peu chelou gros. Imagine t'as un briquet en forme de bonbon. On est d'accord que c'est un peu normal mon petit frérot. Il était en mode non mais il y a des caméras, je vous jure on me fait pas de mal, laissez-moi tranquille. Logique un petit peu, tu te fais contrôler par les gendarmes, ils disent c'est quoi ça, à quoi tu joues toi. Vidéo suivante, let's go. What the hell? Money. Qu'est-ce qui vient de se passer? Attends, on a un chien qui pète pendant une demi-heure. Attends. Attends, on a un chien qui pète pendant une demi-heure et un chat qui vomit du larme. Oh, mais pourquoi ça me fait rire cette merde? Il fait chaud d'ailleurs, bonjour à tous, c'est la canicule. Je viens tous vous prendre comme ça. Sachez que quand je fais ce tournage, il est 9h30, je suis arrivé au studio à 8h30 pour ouvrir toutes les fenêtres et essayer de tourner quand il fait frais. Ça n'a pas fonctionné, je suis tout transpirant. Là, il y a une brosse. Oh non. Le chien, il est entre si mignon et si éclaté au sol, frère. Regarde ce zoom sur ce chien. Ok. Il est clairement mort. Vidéo suivante, let's go. Ok, là il chope des croquettes ou des céréales. Ok, il les met dans le bol, logique. Oh non. Il la regarde en mode. Bah attends, t'es sérieux, 1m3, 3,5 là? T'as pas envie de me mettre le bol complet, fils de... Là, j'ai vu dans son regard juste là. Là, il a failli se lever. Il a failli le marave, gros. Il a failli lui mettre des petites balayettes, gros. Il allait prendre la... Hop, il allait prendre... Il faut vraiment que j'arrête de faire des gestes brusques et tout, il fait vraiment trop chaud. Hein. Allez, vidéo suivante, les petits refs. Ah. En 2020, je serai, c'est un filtre Instagram. Qu'est-ce qui se passe? Mort. Gros! Ça, c'est ouf! Un filtre Instagram qui a failli le tuer. J'adore! Je veux plus de ça. Dans les commentaires, je veux plus de likes. C'est tout. Dans les commentaires, je veux plus de likes. Donc là, on est en train de lui faire un test Covid. Et elle a clairement attrapé... son sgégos. Parce qu'elle a mal, gros. Je suis mort, frère. Je suis sûr, elle sait pas que c'est son sgégos, gros. Son sgégos. Putain, j'adore ce mot sgégos. Eh, si vous aimez bien ce mot, mettez-le en comment.
peut-être pas du coup, vidéo suivante. Bon, qu'est-ce que ça va faire ici? Wesh, mais c'est de la sauce piquante sa grand-mère, non? Ça doit lui piquer de ouf. Non, qui c'est du ketchup, ok. Mais Matt, comment il le regarde, gros? Il est désespéré, il dit. T'es vraiment une merde, en fait. Pourquoi t'as fait ça? Ma vie, c'est de la merde, maintenant. Sale chien. Vidéo suivante. Qu'est-ce qu'il va faire, le phoque? Non, il va rouler, je suis sûr, il va rouler. Frère, fais gaffe, tu vas rouler. Non, tu vas rouler, gros. Non, non. Ça m'a vraiment fait rire. Je savais pas que j'étais sensible à ça. Je vous jure que... Il essaye de se rattraper. Ouh, pourquoi je suis sensible à ça, les gars? Oh non, j'ai failli avoir une larme. Oh, pourquoi j'ai rigolé sur ça? Oh, c'était vraiment peu drôle, en même temps si mignon et drôle. Les gars, on a épuisé tout le fun de les gens, ils meurent de l'intérieur, tu vois. Du coup, on va faire well, that sucks, ça veut dire merde. Ça craint. Du coup, on va voir ce que ça dit, là. Let's go. Gender reveal time. Ouais, j'ai l'impression qu'il va avoir une accélération digne de ce nom dans la baie vitrée, quoi. En vrai, ça, c'est stylé, gros. Putain, c'est stylé de ouf, frère. Ah. Attends. Non. Mais non, en fait, non. Je vous explique, quand ça brûle, quand il y a des trucs qui brûlent, que ça, c'était pas prévu, on fait pas. Wouh! Wouhou! Wouhou! Non, je te jure, personne fait ça. Couille et que en Amérique. Ils s'en battent les couilles! C'est fou! Vidéo suivante. Balalala pap. Cette image m'a fait rigoler. J'ai pas mieux à dire. J'étais en train de scroll autant que vous, hein. Franchement, il y avait rien de fun. Là, j'étais juste en train de scroll en me disant, oh, on va regarder une autre vidéo. Cette image m'a conquis. C'est comme quoi, il faut pas toujours des vidéos, hein. So I'm just vibing, right? And this can fucking... Attends, mais non, qu'est-ce qu'il s'est fait tirer dessus sur la canette ou quoi? Right? Pourquoi c'est coupé aussi bon moment quand il crie? Oh, j'ai si peu de choses à dire dans cette vidéo. À part, n'oubliez pas le pop-up store, regardez, ça s'affiche. Il y a l'affiche qui s'affiche. Waouh, c'est beau. Rendez-vous vendredi, samedi, dimanche à Mons. Donc tous les Belges, je veux vous voir là. Si vous avez une heure de route, faites l'heure de route. Les Français qui sont à la frontière, venez les gars. On fait ça, c'est notre premier, notre vrai. Ça fait grave plaisir si vous venez. Ah oui, tant que tu y es, mets un pouce bleu à cette vidéo. Abonne-toi, ça fait plaisir. On va tout doucement vers le million d'abonnés. Et let's go, continuez. Comment t'en bats là, hein, cette vidéo, tu connais. Wesh, mais ta mère, gros. Attends, il était au courant, lui. Il est tombé si profond. Il s'en bat les couilles. Il est tombé si profond, frère. Wesh, l'aspirateur, frère. Il a aspiré ses veuches. Il a aspiré ses veuches normales. Il s'est dit, c'est mon territoire là. Hein. Tu fais quoi sur mon tapis? Qu'est-ce que tu fais sur mon tapis? Regarde, je vais te manger tes cheveux. Si je casse les couilles, je fais vraiment de la merde, gros. Oh là là, vas-y, vidéo suivante. Non, il y a beaucoup trop d'eux. Ça ne peut pas bien se passer. Je reconnais, il y a beaucoup trop d'eux pour que ça se passe bien. Non. On était au courant. Non, il y avait beaucoup trop d'eux pour que ça se passe bien. Autant toi que moi, on n'avait pas envie que ça se passe bien. Tu vois ça? C'est si parfait. Non. T'avais envie que cet homme, voilà, hop, il fasse tout tomber. Je suis désolé s'il a perdu son emploi, mais on avait envie que tu fasses tomber tous ces œufs là, mon petit frérot. Grenade fiche, mais non, arrête. On peut pas pêcher à la grenade, les frérots, hein, je vous le dis. Mais ils sont cons ou quoi? Genre, ils se sont dit, Thierry, ça va bien se passer. Je te jure, lâche cette grenade. Mais ils ont deux QI. On peut pas avoir un QI si bas. Et ils se sont dit, c'est des Russes, je l'ai, c'est bon. Il m'en fallait pas plus. Attends, non, mais non, là, il y a une fille qui fait des zigzags, là. Là, la fille... Tiens, mais attends, j'ai envie de raconter cette anecdote, ça y est. J'étais à Angers, avec Noxy, on rentrait chez lui, donc en voiture, voilà, il rentre chez lui, il va pour aller dans son garage. Et Vlatipa, qu'on voit une meuf, elle s'explose contre la voiture, frère. En fait, elle était sur son téléphone et sur la trottinette électrique. Eh, pas bon bail, hein, déjà, pas bon bail, tu vois. Déjà, si tu gères pas bien, t'es un peu croquignolant comme ça. C'est beau ce mot. T'es un peu croquignolant sur les bords, tu mets pas ton téléphone en plus. Et Vlatipa, elle avance, elle commence, frère, et ça fait... Whoop! Gros, elle s'explose sur la voiture, gros. Bien sûr, premier réflexe, hop,
On se détache, on est là, on arrive, on fait madame, vous allez bien? Elle dit oui, ça va, j'ai un peu mal au genou. Et du coup, on se dit bah attends, elle a rien à son genou. Et au final, elle avait rien du tout à son genou. Elle avait rien fait à la voiture, mais c'était une anecdote pour dire que n'utilisez pas votre téléphone au volant. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On vous attend ultra nombreux au Pop-Up Store à Mons. Ultra nombreux, mais masqués bien sûr, avec les distanciations, tout ce qui va avec. N'hésitez pas à aller voir dans la description. Mettez un like, un commentaire à cette vidéo et je vous dis, on se revoit bientôt pour une vidéo plutôt coolasse. C'est peut-être là-bas, ça va changer. Allez, salut hein. Ciao, ciao, la bise, la bouillabaisse. Non, ça se dit pas la bouillabaisse. Salut. Abonne-toi. Lâche un like, active la notif, man, active la petite cloche, mets ton pub au commentaire.